bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Bonne année tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo sur Star Wars Jedi Fallen Order épisode 13. Installez-vous confortablement, mettez en 2K 60 FPS un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir parce que c'est Star Wars. C'est Star Wars et cette fin d'année 2019 a été marquée par la sortie évidemment de l'épisode 9 qui clôture la saga des Skywalker. Et là, oh là 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 là, ce jeu, j'ai vraiment vraiment... C'est quasi un coup de cœur. Voilà, je vais être très honnête avec vous, c'est quasi un coup de cœur de 2019 parce que vous savez quoi, je m'attendais à rien. Et finalement, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que ce jeu est bon. Tout simplement, ce jeu est extrêmement bon. Bref, quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez passé une bonne année 2019, mais j'espère surtout que vous passerez une meilleure année 2020. C'est ça le plus important finalement. Donc c'est parti, on retourne directement sur notre planète Zepho. Allez, c'est parti, on s'était arrêté exactement ici et souvenez-vous, ça sentait un petit peu la merde. Pourquoi? Parce que Cal sentait la force et qu'il y avait quelqu'un de très puissant par ici. Donc, j'espère qu'il a eu tort, mais j'y crois moyennement. À mon avis, il y a le Jedi qu'on a affronté dans l'épisode 1. Et il va clairement nous mettre notre part, je pense. Mais bon, j'ai confiance en nous et au pouvoir de la Force. Oh, bonjour messieurs. Au travail. Vous êtes totalement aveugle. Sûrement le champ de vision réduit par le casque. Oh, sa mère de... On va passer en double, hein. On va passer en double. Oh, j'ai pris ma part. Dégâts subis. Oh, j'ai pris ma part. Neutralisation du Jedi. Calmez-vous. Ok. Plus que vous. Ah. J'ai besoin d'aide. Ok. Sans intérêt. Ok. C'est une patate, c'est une patate que j'ai pris. Oh. Ok, c'est très beau ça. Oh, dommage. Sans intérêt. Ok. Allez, calme-toi. Allez, go. On le détruit celui-ci. Oh. Bien joué à toi, t'as été monstrueux. Allez. C'était pas évident. C'était pas évident parce qu'ils étaient quand même deux, c'est pas n'importe quoi. Mais on a un petit atelier. Et on a utilisé qu'un seul steam, donc c'était plutôt cool pour la reprise. Fallait que je me remette aussi dans le bain. Là par contre, deux gros robots, un mec qui tire dessus, à gérer, c'est chiant. Ok, il va faire quoi maintenant? Il va faire des dingueries lui. Oh, ça va être un monstre. Oh, je suis en train de créer un monstre. On doit pouvoir atteindre le tombeau. Utilise. Oh là là. Utiliser les tyroliennes dans les deux sens. Ça, putain, ça, c'est vraiment le pouvoir de la Force quand on y pense. Ah, c'est tellement cool. Tellement cool. Ok. Eh bien, écoutez. Hop, j'ai failli me... Hop, allez, hein. Je suis un peu débile. Voilà. Ok. Très bien. Ça, c'est fait. Surcharge en vrai. Tiens, qu'est-ce qu'il peut faire? BD, tu penses pouvoir charger ça? Ok, bah c'est bon, j'ai compris. Remets-le-moi. Voilà. Merci du coup de main. Allez, on est reparti. Allez, allez. Bah tiens, hé, on peut save? Attendez. On n'a plus rien à faire, on peut save. Vu qu'on va plus retourner là-bas. Ah, quoi que si. Ah, quoi que si, on va retourner là-bas. Parce qu'il y avait un mur. Il y avait un mur, on va passer. Hop, j'ai rien dit, je retire immédiatement le fond de ma pensée. Allez, régale-moi mon frérot, s'il te plaît. C'était génial, BD. C'est vrai que c'était génial. Tu nous as fait un move, personne n'y croyait au début. Ok. Ok. Et ben voilà. Attention, je vais tirer. Je vois. Transformation. N'arrête pas de bloquer mes attaques. Okay. Attaque, vite. Le laissez pas pied. J'en charge. Défendez vos Jedi. Hop, ça c'est fini. Ok. Le prioritaire. Vol. Ok. Ah.
Éliminez-le. Voilà sur les filles. Quelqu'un arrive à le toucher? Aide-moi s'il te plaît. Là, faut m'aider là, hein. Non, mais pas lui, doux Jésus. Allez-y, attaquez-le. Ok. Il est dur. Toi, t'es chiant. Couvrez-moi. Voilà. Oh. Putain, la vache. Ah, oh, il est beaucoup trop chaud. Voilà, dégage. Eh bien. C'est un niveau 2 que nous avons là. Tiens. C'était chiant. Hop, on va appeler ça. L'ascenseur ne peut pas être appelé, évidemment. Et là, les surcharges ne marchent pas. Ok, qu'avons-nous là? Parce que finalement, quand on y pense... Oh oui. Regardez, quelque chose me dit que c'est le secret. Ça, c'est pas gentil. Il faut prévenir. Ok, quelque chose me dit... Il faut que j'aille sur cette poutre là. C'est une belle poutre qu'on a là. Quelque chose me dit qu'il faut que j'aille sur cette poutre. Très bien, on a fait tout ça pour rien. On refait. Je suis quasi sûr. Ah oui. Oui. Sinon il y aurait pas ça, hein. Ça me paraît bizarre, hein. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Merci BD. Merci. Ah, c'est bizarre quand même, hein. Le doute m'habite. Ok, bah non, pas du tout. Très bien. Putain, je t'ai pas vu. Arrête! Mais c'est pas vrai! Je suis débile, hein. Et j'y arrive pas. C'est quoi ça? Voilà. Très très chiant lui, non? Faut que tu m'aides. Très chiant. Au travail. Qu'avons-nous là? Régale-moi. C'est quoi ça? Éloigne-toi! Ouvre le feu! C'est le gardien qu'on a déjà affronté. Très bien ça, ok. Donc, il y a déjà des gardiens. C'est très intéressant. On va save. On va save et on va refaire la zone de l'enfer tout à l'heure. C'est pas bien grave. Oh, c'est chiant à viser. Ok, on va save. Quoique on peut... Non, soyons pas trop bons. Je sais pas, j'hésite. J'hésite, je sais que je vais me faire arracher, j'ai plus de vie, j'ai plus de steam, j'ai plus rien. Ça risque d'être embêtant. Mais bon. Allez, et vous savez quoi, de toute façon, on vit qu'une fois et on va par la même occasion voir si on peut pas mettre notre point de compétence, arbre de compétence. C'est parti. Alors, on a quelques points en plus, qui plus est. Une attaque aérienne qui permet à Cal de repousser les ennemis proches. Très bien. En effectuant juste après un sprint, Cal peut effectuer une attaque. Ok. Cal peut effectuer une autre attaque puissante. Très bien. Cal dévie automatiquement les tirs lorsqu'il sprint et qu'il court sur les murs. Et j'ai bien envie de prendre celle-ci, quoi. Ça a l'air de... Ouais, c'est vraiment pas mal. Parce que là, on est potentiellement sur un one-shot. Enfin, un two-shot pour le coup. Je vais le prendre. On a save. Trop tard, c'est fait. Allez! Bon, je me suis totalement fait ruiner. Ça, quel plaisir! On est reparti. On va s'y prendre d'une autre manière. Hein. C'est pas bien grave encore. Hein. C'est pas bien grave. Ennemi en vue! Il faut juste un peu de temps. Je l'ai blessé. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Oh, je vais arrêter là. Voilà. Il est touché. J'arrive pas à le toucher. Voilà. Oh. J'ai de la chance. Ok.
C'est bon ? C'est pas possible. Oh la vache ! Ah là, faut vraiment que je me concentre dans cette phase-là. Allez, dégage. Tu me rends toute mon énergie. J'ai trop bien géré. Heureusement que c'est lui qui m'a tué. J'ai tout récupéré. C'est hyper clean. Je suis très content. Comme quoi, c'était honteux ce que j'ai pris, mais on a très bien rebondi. Bon, là, va falloir faire attention. À mon avis, il y a des gardiens pas très loin. Ah. Fermine, Jedi. Je me ferai un plaisir de te regarder mourir, Jedi. Fermine. Okay. Tu vas devoir faire mieux que ça. T'as raison d'avoir okay. peur. Allez, dégage. Oh, bien ça. C'est très beau de ta part. Oh. Bien joué ça, t'es un monstre. Par ici, BD. T'es un monstre mon pote. Tu espérais me toucher. Voilà, dégage. T'es un monstre, mettez-moi. Et un monstre mort, c'est totalement inutile. Ok. Scanne-moi cette merde. Et ils sont de plus en plus chauds quand même, hein. Ils ont de plus en plus des trucs un peu sympas, tu vois ce que je veux dire. Ok, ok, ok. Oh, il m'a régalé en XP, hein. Alors à gauche, qu'avons-nous là? Tiens, tiens, tiens. Bah voilà, ça c'est même pas un problème. Même pas une seule seconde, c'est un problème pour un Jedi. Un ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Mais il a trouvé la mort. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon frérot? Attends, t'étais où, toi? T'étais où, comme ça, là? C'est bizarre. Quand BD il quitte l'épaule, ça sent pas bon, hein. Ok, qu'avons là? Une corde? Ok, une couille géante. Une couille de pierre. Ah, c'est ici, je suppose. Je sais pas où ça pourrait être, sinon. Ensuite ici. Bah, je fais par logique. Par déduction. Très bien. Ensuite, ici. J'ai juste peur de tomber sur un... Et ensuite, c'est derrière. Néanmoins, j'ai vu quelque chose ici, mon pote. Voilà. Ressens-moi ça. Mes hommes vont redoubler d'efforts. On y arrivera, officier Crane. Ok. Très très bien. Et ben maintenant on va pouvoir y aller tranquillement. Allez! On y va. Je vais manger le mur, c'est pas grave, on adore les murs. Très bien, très très bien. Choqué, pas déçu. On a de quoi se jeter en l'air. On a une corde, on a une tyrolienne, on a beaucoup trop de choses en fait. On a beaucoup trop de choses. Ça, c'est encore un casse-tête. Hein. Casse-tête de catégorie 8. Par contre, les level designers, ils ont dû en chier. Ils ont dû en chier mou littéralement parce que pour te sortir des cartes comme ça, faut le vouloir. Très bien, on va save. On va save. Allez, go. Ok, on a quelque chose ici, totalement fermé. Je suppose que ce sera un raccourci. J'ai peur. Comment on peut faire, là, pour atteindre cette corde? Ok. C'est un ascenseur. Pas de soucis là-dessus. Gal Kestis. Comme c'est prévisible. Oh oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron? Incroyable. Ok. On se la donne, ça y est? Oh, bien joué ça, je connaissais pas ce coup. J'ai enduré bien pire que ça. Beaucoup trop fort.
Ma sœur. Non mais t'as gagné. Arrête de bouger. Accélère. Okay. Ça c'est fort ça. Par ici. Ça c'est très fort. Pas étonnant ça, c'est que très, ton très maître fort. Ah bah ça. Ok. Bien joué ça. Bien joué. Tu auras été un échec jusqu'au bout. Ah, je suis un Jedi, putain. Oh, c'est très très fort ça aussi. Mais arrête. C'est pas vrai. Je te détruirai comme les autres. Oh, c'est... Ah ouais, mais putain, même au ralenti, elle est rapide. Oh non. Aide-moi, s'il te plaît. Mais dis pas, tu me détruiras, tu me détruis déjà. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suivante. Ok. No joke, je peux faire un truc. Ok. Je sens, moi, le pouvoir de la mort. Personne s'y attendait à celle-là. Je te détruirai. Oh, elle est forte, elle est forte. Oh, j'ai pas tout ça, moi. Tout n'était rien. Oh, c'est fort. Oh, je l'ai mis mid life quand même. Oh, j'ai chaud. Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi? T'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit... Elle m'a abandonné. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer ? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh. Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles. Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Ok, bon, je suis pas peu fier, je pense qu'il fallait la mettre au moins mid HP et on a eu putain de show en vrai. Par contre, trop stylé, la cinématique, tout, en fait, putain, mais c'est trop stylé d'être un Jedi. Ok, go, on va par là, hop, cascade, double cascade et triple cascade. Ça, c'est parfait, ça. Ok, bon, qui dit comment on peut appeler ça? Qui dit donjon, dit nouveau pouvoir. Bon, pas un donjon, mais qui dit temple, voilà, dit nouveau Merci pouvoir. Merci pour le coup de main, BD. Oh, il m'a sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau. Ok, et moi je vais BD. Ouais, je sais que t'es dans le rouge, on est tous un peu dans le rouge, là, mais... Ouais, on est déjà Keblo, trop bien. Très bien.
Alors, mon petit BD, si tu sais où faut aller, va falloir me le dire. Oh, Sugoi. Peut-être ma petite idée. Mais attends, y'a rien à faire ou quoi ici? J'ai l'impression qu'il y a rien à faire. Attends, on va pas déjà être bloqué là-dedans, les gars. J'ai pas survécu à... Ah oui, les gars, c'est n'importe quoi. Oh putain de merde, oh shit. Je suis très 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 chaud. Hop, c'est un aller-retour, ça c'est moi qui régale. Ok. Eh bien en fait, je ne comprends juste pas où... Oh les gars. Calme-toi, Bibs, calme-toi. Tu es peut-être aveugle? Tu es sûrement aveugle. Ok. C'est bon, je sais où fallait aller. Ah, c'est terrible, je les ai tous regardés sauf lui, peut-être, je sais pas. À moins que ça s'était pas encore construit, j'en ai aucune idée. Par contre, c'est dommage que bah ça m'a pas donné d'expérience, le fait de l'avoir affronté, parce que quand même, tu vois. En vrai, j'ai bien résisté, je suis assez fier de moi pour le coup. Parce que j'aurais pu en chier beaucoup plus. Allez, on y va. J'aurais pu en chier beaucoup plus et surtout le faire en plusieurs fois. Et là, on l'a fait du premier coup, donc en vrai, chapeau bas, melon et bottes de cuir. Il a l'air différent de l'autre tombeau. Ah, ça j'en le sais tombeau rien. De Mikre. Mais ça me plaît pas. Très bien. Mictrul. Très très bien. Vous voyez, c'est pas facile à dire. C'est pour ça que je le dis une deuxième fois. Explorer le tombeau. Bon, allez, ce tombeau sera. Bah, mon tombeau en fait. Hop. Je l'ai trouvé, mais... Serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Toi... Comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de Serré que je n'ai pas perfectionnée. Vache. Ah, c'était chaud, hein. Ah, c'est le pouvoir de la chance, là, qui m'a mis bien. Ultra chaud. Du mal à m'en remettre. Ok, donc elle a piraté les communications. Je pense qu'on va discuter plusieurs fois avec elle durant ce tombeau. Pourquoi tu changes de couleur? Fais-moi pas des trucs comme ça, hein. Ah, on joue ensemble, les gars. Fils de pute! Je sais que je peux y arriver. Ok. Bon. Hop, c'est bon, tu dégages. Ok. Oh, chaud. Mais c'est pas mal, je m'en suis très très bien sorti. Très très bien, ça, c'est très beau ça. Oh, c'est très très beau ça aussi, hein. La doublée. Allez, ça dégage. Bon, tu peux le scanner ou c'est exactement le même qu'on a déjà affronté? Ça doit être déjà le même. C'était pas dégueu, mis à part que le Stormtrooper n'a pas les bonnes priorités en tête, hein, vraiment. De toute évidence, il y a de l'eau. Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça va peut-être même retirer l'eau qu'il y a... Ah non, bah non, c'est embêtant. Ah oui. Mais oui, c'est clair. Tiens, tiens, tiens. C'est quoi ça? C'est juste un reflet de lumière, très bien. Ok, on a quoi là? Une porte, on a... Bah voilà. Ça. Mon ami, il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. Je ne peux m'empêcher d'y voir un motif. Très bien. J'ai de quoi stopper, mais j'ai pas de quoi projeter. Enfin, j'ai pas de quoi, pardon, comment on peut appeler ça? Attends, si je fais ça...
J'ai pas de quoi ramener vers moi, c'est ce que je voulais dire. Ok. Ouais, pas d'utilité jusqu'ici. Qu'avons-nous là? Ok, très bien. On va save. Aucun problème. Et on va peut-être même s'arrêter là dans pas très longtemps, parce que si on attend le prochain point, ça peut venir dans très longtemps. À voir. Peut-être que BD va nous apprendre quelque chose, je sais pas, non? Tu n'as plus beaucoup de temps. Pardon? De temps pourquoi? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend du secret. On dirait que Cordova les aimait bien, ces effaux. Peut-être au point de cacher l'holochrome parmi leurs dépouilles. Ouais, c'est ce qu'on va voir. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus grands, ces gardiens. C'est moi tout le monde. Un démonteur. Non, l'ordre de priorité, les gars. Voilà, c'est là. Ça dégage. Ok, il met quand même, c'est tout. Maintenant, BD. Attends. Désolé. Ok. Très bien. Allez, ça dégage. Bon. On a un coffre. Ça, c'est plutôt cool. Peut-être une nouvelle couleur de sabre laser. Ça serait encore plus cool. Alors. On se fera ton attendant. Une relique des effaux. Bien ça! Je ressens une grande vanité et de l'extravagance dans cette période de leur histoire. Très bien! Eh hey BD, regarde. Allez, ça. Allez, ramène-moi une couleur de sabre, s'il te plaît! Qu'est-ce que c'est, BD? Oh, peinture pour le Monty, ça fait chier. Je pense que c'est le truc le plus chaud à trouver en vrai. Bon, lui, hop, il a disparu. Hein. On l'a détruit, littéralement. Très bien, qu'avons-nous là? Pas grand-chose. Une sorte de mécanisme. Mais sans plus. Attends, y'a rien, les gars, là? Ah bah c'est embêtant. Attends. Bah y'a rien. Très bien, écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. C'était juste pour récupérer. À la feu, en haut. Je crois que je vais arrêter là. Merde, dans l'escouade. Ok, c'est fait. Bonjour, messieurs, dames. On va lui donner une bonne leçon. Oh putain, vous êtes trois. Ça, c'est beau, ça. Formé pour se traquer. C'est rapide. Ah. Ok. Je te tiens. Ok. Allez, ça dégage. Très bien, très bien, très bien. On s'en est encore une fois très bien sorti. Faut s'envoyer des fleurs, sinon personne ne va le faire pour moi de toute façon. C'est évident. On est sur YouTube, on est même pas en direct. Qu'est-ce qu'on a là? Simuler une gravité, je suppose. Ah! Très bien. J'ai compris. J'ai totalement compris. Alors, on a quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, les gars, vous êtes chiants en soirée, hein. Vous êtes chiant, chiant, chiant. On va se le faire évidemment. Néanmoins, si jamais il y a quelque chose là-haut, viens récupérer. Oh, c'est déjà. Oh, c'est beau. Il y a des trucs un peu partout. Vache, sacré liane, hein. Voilà, dégage. Qu'est-ce qu'on a là? Oh les gars. Alors j'ai pas le pouvoir parce que sinon ça serait pas en rouge.
Donc, vu que j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, on s'en va. Je n'ai pas ma place ici pour le moment. Très bien. Ensuite, par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah. Vas-y, scan. Bien joué. Très bien. Eh ben, c'est forcément par là-haut. On y va. Allez. Allez, mon cal. Oh, mais gros, t'as l'air débile, là. Putain. C'est beau ça. Désolé, hein, j'ai besoin de... C'est beau ça. C'est beau, ça c'est moins beau. Ah. Ah. Ouh, c'est chaud. Donner un steam, BD. C'est de plus en plus chaud. Qu'avons-nous là? On a de quoi méditer? Incroyable. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Et vous savez quoi? On va pas save parce qu'il va repop. On verra un petit peu ce que ça donne plus tard. Et vous savez quoi? On va save. Allez, on vit qu'une fois. C'est bon, hein, bas les couilles. Hein. Allez, on commencera direct l'épisode dans la bagarre. À bientôt tout le monde, ciao ciao.